Alors comme ça, elle est bonne la soupe. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance, où nous avons besoin d'hommes vaillants pour aller attaquer un château de nuit. Non, c'est pas sur Robart que je vais voir. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on devait... Si c'est sur Robart qu'il faut que j'aille voir? Merde. On avait attaqué Vranic, donc la forteresse de Vranic. Ensuite, sans se rendre compte qu'il n'y avait plus grand monde, on a attaqué la forteresse de Thamberg, parce que les méchants ont attaqué Thamberg. Oh, un petit entraînement. Pourriez-vous Défense. m'apprendre? Bien sûr. J'aimerais devenir un... D'accord, mais ça va. Bah allez, ça coûte 1600. Maintenant, soyez attentifs. J'ai gagné un point en défense. Attendez, attendez, attendez. J'ai besoin d'un autre entraînement. J'aimerais m'améliorer lors des coups. Bien sûr. Que dites-vous de ça? Je voudrais que... D'accord. Oui, bah allez-y. Maintenant... Ça coûte rien. Un niveau en massue. Attendez, attendez. Encore un peu. J'aimerais Bien sûr. J'aimerais... Commencer par... Non, il faut pas. Bon, je vais... Allez, je on suis y va. prêt. Tu es sûr? Prêt à quoi? Tu devrais porter des vêtements légers et sombres. Laisse ici tout ce dont tu n'as pas besoin. On ne va pas faire du boucan là-dedans en armure de plate. Bien sûr. Ok, bon, on va se préparer. Alors, ici... Crochetage facile, mais... Il m'a dit de laisser ici des trucs. Elle est où, ma tante? Ça, c'est pas ma tante. Non. Il est où mon coffre? Ça c'est pas le mien. Ça c'est pas le mien non plus. Peut-être celui-là? Ah oui, c'est celui-là le mien. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut des habits sombres. Mal par le mal, non. Potion du bas, non. Potion de berceuse. Putain, mais ils sont chiants avec ça. Donc ça, on laisse. Non, ça on peut laisser. Ça on laisse, ça on laisse, ça on laisse, ça on laisse. Le collier, ça fait pas de bruit. Bruit zéro, ouais. Ça on laisse, ça on laisse. Ça on laisse, soit on laisse, ouais. Côté composite. Ah oui. Bruit 100, bruit 0, bruit 0. Non. Bruit 0, ok. Au niveau des armes. J'aurais bien pris juste une épée. J'ai pas juste une épée. Fornitude. Que se passe-t-il ici? Bon, allez, va pour un sabre décoré. Et on va y laisser ça. Ouais, c'est vrai qu'on avait balancé le bouclier comme des sauvages lors de l'assaut. Non, on va garder l'arc et flèche. Ça, je vais le garder dans l'inventaire. Mais du coup, j'ai pas de vêtements qui... Bruit 1. Ok, non, j'ai rien. Et une robe. Une chemise offerte par Tifette, ça fait 100 de bruit. Mais putain, mais c'est beaucoup trop de bruit, là. Bon. À quoi je ressemble, maintenant? Voilà, très bien. Bon, j'ai quand même une grande épée sur le côté. Voilà, petite épée. L'arc dans le dos, par contre... je suis pas trop sûr, hein. Ouais, là j'ai l'air. Je pense que là je suis bien pour la furtivité. J'ai une dague, un sabre. Allez, on peut y aller. Je vais juste sauvegarder. On va sauvegarder avant. Voilà. Du coup, on est bourré. Non, pas encore. Le dieu. Oh, on a gagné un point en alcool. Attendez, attendez, attendez.
un point en alcool. C'est très 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 important. Tac. Alcool, alors. C'est quoi ça? Après un coma éthylique, vous... Non. Vous ne serez plus le coma éthylique, mais les effets négatifs de vos gueules de bois durent 30%. Oh là là. Que vous obtenez sans... Oh là là. Ivre, vous êtes abusé de 50% en éloquence. Votre main tremble, ça va moins. D'accord, il faut être ivre, oh, putain. Je vais prendre ça, on sait jamais, voilà. Sain et sauf. Quand je fais un coma éthylique, il se passe rien. Je suis prêt. Tu es sûr? Tu devrais porter des vêtements légers et sombres. Laisse ici tout ce dont tu n'as pas besoin. Oui, c'est bon. Suis prêt à partir. On est prêt. Au revoir. Au revoir. Bon. Rappelez-vous comment un galet silencieux n'est pas. Ça va être complexe. Donc, il faut que je trouve le seigneur Radzig, que je sauve le seigneur Radzig et que je sauve... Si l'un de vous est en train d'hésiter... C'est le moment ou jamais d'en parler. Très bien. J'espère que le plan est bien clair pour tout le monde. Nous devons libérer les otages pour priver Todd de son avantage. Il les retient sans doute dans un lieu bien gardé. Et quelque part, à l'écart de ses hommes. Où ça pourrait être? Nos prisonniers sont toujours détenus, dans la maison près de l'écurie de la cour. Mmh. Et si jamais ils sont dans leur tour ou ailleurs? Alors il faudra aller à la porte et essayer de l'ouvrir. Ça prendra du temps et attirera l'attention. Alors on ne le fera vraiment qu'en dernier recours. Et s'il donne l'alerte avant même qu'on ait pu agir, on fiche le camp en vitesse. Compris? Et on les laisse ici? Il vaut mieux deux ou trois otages qu'un tas de cadavres. C'est pas Seigneur bon. Capon, vous êtes sûr de vouloir participer à cette opération? Certain. Après tout, ça ne doit pas être bien différent de sortir en douce du château supérieur de Raté toutes les nuits. Et puis, qui empêchera cette tête brûlée de faire un carnage absolu? Eh bien, je compte sur vous, Seigneur. Puisse Dieu guider nos pas. C'est vrai que j'aurais bien quand même pris une tenue noire, mais j'en ai pas. J'ai pas de protection, j'ai rien. J'y vais à la Zob. Je sens tellement que ça va foirer. Une fois, puis deux, puis trois, puis... Ah. Oh, le con. Brouh. Non, le temps de chargement. Ah bah voilà. Nous sommes des légendes, sauf si on se foire. Là, c'est Istvan qui racontera cette histoire, et on sera la risée de tous. C'est pas faux. Bon, allez-y. Montez l'échelle. Ok. On va passer devant et supprimer les sentinelles. Attendez ici. Je pourrais assassiner furtivement tout le monde, mais... Non. Non, non, ce sont des alliés, Galet. Ce sont des alliés. Est-ce qu'on prend une torche? Parce que je vois pas beaucoup, je vois pas grand chose là, non? Qu'est-ce qu'ils attendent? Silence, mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que je sais? Pourquoi je demande? Oh, tais-toi et observe la lumière sur les remparts! Oh, le cul d'attendre, je vais grimper. Mais attends! Je vais t'assassiner furtivement! Vas-y, se basse. Ah bah, tout le monde y va. Et moi, je fais quoi? Ah, yes, c'est bon, les sentinelles sont éliminées. On peut y aller. C'est vachement haut, hein. Je vous avais dit que j'avais le vertige?
Ok, très bien. Je vais enfiler son armure et surveiller ce côté. Mais il y a encore deux gardes dont il faut s'occuper près de la herse. Des volontaires ? Henri va y aller. Bouffon. D'accord. Henri, tâche de pas faire de bruit. Je peux pas prendre ses habits ? Ah, parce qu'il va prendre ses habits. Mais il est tout nu, là. Bon. Allez, il va. Discrétieux. Discrétieux. Faites pas de bruit, les amis. Est-ce qu'il a une tunique un peu plus sombre que ce que j'ai? Oui, c'est le temps de faire ça. Me faites pas chier. Ok, je vais la mettre. C'est un peu plus sombre, il y a un peu de sang dessus, ça fait un peu... Oh putain, j'ai cru qu'il s'était retourné. Je suis discrétieux. Arrêtez de parler! Je neutralise les gardes! Discrétieux. Il faut d'abord trouver les otages. Ce sera plus simple si personne ne nous voit. Ah putain, oh, il m'a traversé. D'abord. Il n'y a pas une tunique un peu plus sombre, ensuite, non, c'est pareil. On revient pour s'occuper du reste. T'es qui toi? Non. Oh merde! Oh, il est en train de bugger en moi. Non, c'est dégueulasse. Ah, c'est ici qu'on avait volé des trucs. Dans les premiers épisodes. Pousse-toi, le corps. D'ailleurs, j'ai pas une potion. Nourriture? Ouais. Potion de l'engouement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop là! On voit beaucoup mieux, hein. Oh putain, il y en a un là-haut. On l'a vu. Je vais juste vérifier ici. Je crois que c'est... C'est mon cheval ? Ablette ? Qu'est-ce que tu fous là ? D'une minute à l'autre. Oh là là ! Oh là là ! Sainte mère de Dieu ! Bouge tes fesses, mon sang ! Patience. Il va bouger. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Tu parles de mon cheval ? Non mais je vais le massacrer, lui. On va l'avoir. Discrétieux. Bah attends, mais il y a une arme là par terre. Ok. Je suis discrétieux. Je vais massacrer tout le monde, ça fera ça de moi à tuer de toute façon. Et lui, il a pas une tenue un peu plus... Non. Ok. Ils sont pas là. Putain, ils sont pas là. Silence.
C'est les prisonniers. Hey. Quoi? Où est le seigneur Hatzig et Dame Tiphaine? Dame Tiphaine? Elle n'est pas là. Ils ont dû l'enfermer ailleurs. Ah, c'est où, ça que je veux savoir. Où l'ont-ils enfermée? Et où est le seigneur Hatzig? J'imagine qu'elle doit être dans sa chambre. On sait rien du tout. Ils nous ont rassemblés ici et nous ont dit de ne pas bouger. Puisse le seigneur veiller sur vous. Ouh, j'ai gagné... Attendez, alors on a gagné un point de furtivité, ça peut peut-être nous aider pour la quête. Pardon, petit rototo. Tente le sort. Ouais, ça enfonce un lien, tant que voici un lieu de crime sans être avant. Oh, les chiens vous ignorent au lieu d'aboyer. Augmente d'un tiers les dégâts de vos attaques à revers. De toute façon, je les tue tous. Je comprends pas les attaques à revers. Bon. Du coup, moi je dirais donc soit les chiens, soit ça. Le caméléon. Accroupissant ou bouger. Allez, va pour le caméléon. Ça, ça peut nous aider. Terminer la marche à suivre avec le seigneur Hans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah du coup, j'ai le caméléon. On va repartir les mains vides. Je croyais sincèrement qu'on allait y arriver. On ne partira pas d'ici. Pas sans mon père et Dame Tiphaine. Et comment est-on censé les retrouver? Ils ne sont ni dans les étables, ni à proximité. Tu comptes t'introduire dans le palace, là où ça grouille d'hommes? Exactement. Oui. On ne peut pas les laisser aux mains de Thoth. C'était déjà difficile d'arriver jusqu'ici, mais là c'est de la folie. À quoi ça leur servira si on se fait prendre? Il suffit de ne pas se faire prendre. Écoute, Al, j'apprécie ton obstination, d'habitude. Mais ça pourrait nous coûter notre tête. Dis-toi qu'on aura au moins sauvé ces gens. Non, hors de question que je parte d'ici sans les otages. Si tu veux faire ta tête de mule, je t'en prie, vas-y. Et pendant que tu y es, tu pourrais aller chercher ton épée. Autant ne pas faire le travail à moitié. Hey, gardez vos discours. Vous allez m'aider, oui ou non? Si tu veux te faire tuer, fais-le tout seul. Mais avant d'aller mettre le foutoir, laisse-nous au moins le temps de sortir de là. Ok, vas-y. Allez, déguerpissons d'ici avant de se faire surprendre. Kurva! Merde, mon cul! Ah merde! Ah ça c'est pas bon ça par contre. En même temps ils auraient dû se cacher pour discuter. Ah les abrutis! Kurva! Je vais devoir le sortir de là au plus vite. Hé, hey, vous tous, venez ici! Donnez l'alerte! Plus vite! Alerte! Battez-vous! Cours, bonté divine! Et cesse de me secouer autant! Les voilà! Amis ou ennemis? Vite! Allez. Ils sont juste derrière nous! Enfin, derrière toi! Mais devant moi! Et je ne peux rien faire! Oh putain, faut que je sorte plus de là! Plus vite! Cours, bonté divine! Et cesse de me secouer autant! Enfoiré. C'est bon, on est sorti. Putain, j'aurais tellement dû le laisser là. J'aurais tellement dû me battre, je suis sûr que je les aurais défoncés. Je dois admettre que nous n'avons pas brillé. Quelle honte. Nous avons dû battre en retraite avant même d'avoir commencé. C'est pire que s'ils nous avaient tués. Bon, je n'irai pas jusque là. Et personne n'a essayé. Si nous avions réussi... Si les poules avaient des dents... Je sais que ça te tracasse, mais ce n'est pas encore fini. Nous allons libérer les otages et tuer ce fumier d'Istvan. Ben j'espère bien. Putain, il s'est fait repérer comme un bleu. Je suis sûr, tout seul, je me l'ai fait, moi. Tout seul, je m'en vais aller chercher le Graal. J'ai pas besoin de vous.
J'aurais tellement dû essayer d'ouvrir là. Que nous sommes à court d'options. On n'a pas assez d'hommes pour escalader les murs avec des échelles. Et on ne peut pas se permettre d'en perdre plus. Mm-hmm. Reprendre Thalberg passe par la ruse ou la supériorité numérique. La ruse a échoué, et on n'a pas la supériorité numérique. Alors notre seule solution est de construire un trébuchet. Pour démolir mon propre château. Où est Maître Fefar? Il attend. On voit un peu clair parce que j'ai encore... Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai encore la fiole qui m'a permis de voir dans le noir. Ce qui est complètement con, mais... Tant pis. Seigneur Divish. Vous allez me construire un trébuchet, Maître Tobias. Un trébuchet, monseigneur. Ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Il faut qu'on reprenne Thalberg. Oui, monseigneur, je comprends bien, mais... Vous êtes le meilleur ingénieur de tout le fief, je compte sur vous. Oh, bon, merci, monseigneur. Mais c'est que je n'ai jamais construit de trébuchet. Ça pourrait prendre un certain temps. Alors mettez-vous à l'ouvrage. Bernard va revoir le plan d'attaque avec vous. Maître Tobias, vous avez beaucoup à faire et peu de temps. Je ne vous retiens plus. Tout à fait, bien sûr. Merci, monseigneur. Comment se passent les préparatifs sur les autres campements? Aussi bien que les circonstances le permettent. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je n'ai tout simplement pas le temps. Vous, non, mais... Henri. Oui, monsieur. Je voudrais que tu participes aux préparatifs dans les campements. Avec plaisir. Robert va t'expliquer, ça sera tout. Mais moi, je veux bien aller... Non, j'y retourne, moi. Vous me donnez deux hommes et... Non ? Bon, tant pis. Eh merde. Ah, ça fait mal aux yeux. Ah, j'ai pas un truc pour ça. Coitalis. Potion d'endurance, potion connue, snap du cheveu. Ouais. Ah, ça y est, ça dissipe la gueule de bois une minute. Non. Bon, je suis désolé, on va avoir ça. On a appris technique de combat. On a appris campement. Il est où mon coffre? Je sais pas. Oh putain, ça fait mal aux yeux. On va dormir. Une heure. Histoire que ça s'en aille parce que ça fait vraiment mal aux yeux. Je sais pas pour vous, même pas besoin de faire une heure, ça va tenir. Ça va disparaître. Ça a pas disparu. Ça a pas disparu. On dort encore. Je regagne même pas d'énergie. Ah, c'est mieux. Ah, mes yeux. Mon dieu, la migraine a disparu. On va essayer d'enlever le sang quand même. Bon alors, où est mon coffre? Ça, c'est pas mon coffre. Bienvenue, Harvey. Merci. Ah, peut-être ça? Non. Ça? Non. Ça? Non. Putain, il est où mon coffre? Là-bas, non. C'est de la bière. Non, y a rien, c'est vide. Oh, j'y ai cru. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Et là, je fais quoi? Bonjour. Putain, mais j'aurais bien récupéré quelques trucs quand même. Ah, mon cheval, il est là au moins, il est pas reparti dans le château. Est-ce qu'il y était?
Non, bon bah je sais pas. Je sais pas du tout comment récupérer les affaires que j'ai mis dans le coffre. Heureusement que mon cheval il a du... Merde, qu'est-ce que j'ai pris? Bon tant pis, avec ça, avec ce que j'ai dans le cheval, ça devrait le faire. Alors... Qu'est-ce qu'il faut faire? Les campements militaires sont difficiles à gérer. Je ne m'attends pas à avoir le calme et l'ordre de la Sainte-Messe. Mais là, c'est le chaos total. Les hommes sont aussi excités et irascibles que des ours en cage. Tu le verras de tes propres yeux en te promenant. Ça grogne de partout. Et ça se plaint de tout et n'importe quoi, du gruau au pouls. Ils gênent parce qu'ils ont bu tout l'alcool et qu'ils doivent attendre la prochaine livraison de bière. Nous avons des morts qui méritent une sépulture décente, de nombreux blessés, dont l'une de leurs seigneuries. Moins les troupes se plaindront, mieux ce sera pour tout le monde. Mais le véritable problème est ailleurs. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as entendu ce que le seigneur Divish a dit à Fefar, notre maître d'œuvre? Une partie seulement. Et qu'est-ce que t'en penses? Il a dit qu'il n'avait jamais construit un trébuchet. Moi, je ne saurais pas par où commencer, mais lui, si. Mais si c'est aussi long qu'il l'affirme, on ne peut pas attendre jusqu'au jugement dernier. Le temps presse. J'irai lui demander si je peux me rendre utile. C'est le mieux à faire. Sans trébucher, nous sommes bien trop faibles. Ok. Adieu. Oh, mais il y a plein de petites quêtes, en fait. Bonne journée à vous. Est-ce que je peux vous aider? Eh bien, il nous faut du bray. Je sais que tu as des affinités avec les charbonniers. C'est juste, j'en connais quelques-uns. Va donc inspecter les alentours. Si tu parviens à te procurer du bray, apporte-le à l'intendant du campement près de la carrière. Ok, donc trouver du bray. Lui, il a besoin de quoi pour son trébuchet? On va l'aider. Le seigneur Robard m'envoie. Il m'a dit que vous deviez construire un trébuchet. Un trébuchet capable de fracasser les murs de Talmberg. Moi, ingénieur des mines, je n'y connais rien en machine de guerre. Jamais je n'y parviendrai seul. J'aimerais pouvoir vous assister, mais comment? Je n'ai jamais rien construit de tel. En fait, vous pourriez me rendre un grand service. Konrad Kieser a débarqué à Sasso récemment. Si vous pouviez le faire venir, vous me sauveriez la peau. C'est qui? Konrad Kieser? Qui est-ce? C'est un érudit qui a étudié la médecine, mais il a aussi créé des engins de siège. Il a même pris part au siège de Nicopolis, aux côtés de Sigismond. Pas mal. Avec Sigismond? Aux côtés de Sigismond? Ce n'est pas aussi simple. Après la bataille, ils se sont disputés car Konrad a rejeté la défaite sur le dos de Sigismond. J'imagine qu'il l'a mal pris. Plutôt, oui. Konrad a même été banni de Prague. Il est donc ensuite parti s'installer au château de Bethlern. D'accord. Bon, je vais le chercher. Je vais voir ce que je peux faire. Pas besoin d'en demander plus. Merci, Henri. Peut-être qu'on finira par l'édifier, ce trip. Au revoir. Ok, donc on doit aller chercher ça. Bon, putain, mais il y a plein. Il y a A, F, D. Parler à l'intendant, parler au capitaine Bernard. Ah, mais il est là, le... Ah, ok. Donc on va aller à l'ouest. Par là-bas. Oh, des coquelicots. Oui, c'est le temps de prendre des coquelicots. Le campement est là. Oulala, oulala. Ça, ça brûle. Ça passera pas par là. Allez, go! Est-ce que si on se rapproche du château, on se fait tirer dessus comme des lapins? Une vraie question, hein. Où est-ce que je peux aller récupérer sa femme et mon père comme ça tout seul? Ok. On est arrivé au campement. Alors, est-ce que c'est ici? Non, je veux pas me mouiller les pieds. Ah, ça doit être ici qu'il y avait le coffre. Alors, le coffre. Là. Il était là, le coffre. Bordel à cul. Un petit crochetage gratuit.
3200 gros chêne. Moi, je suis bien. Putain, mais il est où ce coffre? J'en ai marre, je veux mon coffre, je veux mes affaires. À tous les coups, il va falloir rentrer, aller dans une auberge ou alors aller directement chercher les affaires au château. Ça sert à rien, ça. Bon, et ben on va aller demander. Il est où? Ça peut pas être loin. Oula, oula, oula. Ah, il est là. Que Dieu t'a... Est-ce qu'il a besoin d'aide? Je suis heureux de vous voir. À la hache? J'aimerais... Bien sûr. J'aimerais... Vous allez devoir commencer... Bon, okay. Je vais... Il me dit d'aller me faire foutre. Les hommes tiennent le coup? Ce sont des bons à rien. Ceux qui habitent loin d'ici veulent rentrer chez eux, et les gens du coin, ils n'ont nulle part où aller. Alors ils ne font que râler. Ils vous causent des problèmes? Pas vraiment. Je pourrais leur péter J'en la gueule. J'en ai pris quelques-uns en train de dormir pendant leur garde. Mais quelques coups de fouet les dissuaderont de recommencer. Il y a peut-être une solution plus simple. C'est assez simple de fouetter un homme. Il suffit de lui mettre une raclée dont les autres se souviendront. Et s'ils oublient, on recommence. Mais vous C'est avez sûr. Un soldat blessé. Je me disais qu'une potion à base de plantes pourrait faire l'affaire. Ça se saurait si les breuvages de bonnes femmes remontaient le moral des troupes. Mais Dieu sait qu'une potion pour les dessouler les aiderait à garder les yeux ouverts. Ah ouais, pouvoir concocter une potion pour parer à la fatigue. Putain. J'ai pas que ça à foutre, moi. Oh, c'est ton cheval? Je peux le prendre? Bien sûr que non. J'ai toujours pas trouvé le coffre. Où est mon putain de coffre? Là, ah, peut-être là. Peut-être que... Ah, alors, cette serrure est beaucoup trop difficile. Et là, cette serrure est trop difficile. C'est bien, il me le dit. Non, cette serrure est trop difficile. Oh, ok. Il me le dit direct que je peux pas. Eh bien écoutez, je pense que... Ah, il y avait aussi l'intendant. Ah, c'est lui l'intendant. C'est le quartier maire. Soit loué. Où en sommes-nous avec la nourriture? Qui pose la question? L'une de leurs seigneuries? Non, du tout. Je me demandais juste s'il manquait quoi que ce soit. Ah, je vois. Le damoiseau se demande si nous sommes en pénurie. Ma foi, pour dire vrai, nous n'avons pas beaucoup de viande. Ils en ramènent assez régulièrement, mais jamais en quantité suffisante. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'imagine. Tous les gars ne font que s'en plaindre. Les gardes-chasse font ce qu'ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à suivre. Si vous leur prêtez main forte, venez me voir. Je me chargerai du reste. Bien, je tâcherai de m'en souvenir. Ok, on va faire ça. On a encore de la bière? Si seulement. Il n'en reste plus une goutte, et les auberges du coin sont à sec. Mauvaise nouvelle. Je vous le fais pas dire. Et impossible d'aller chasser de la bière dans les bois. Mais c'est si vous faux. Savez où en trouver, dites-le moi. Une telle nouvelle me rafraîchirait presque autant qu'une bière. Et les gars aussi. Que Dieu vous accompagne. Ok, donc il faut trouver... de la bière. C'est des bandages, ça? Non. Bon. Ah bah t'es là, Ablette. Ok, donc on a plein de choses à faire. Déjà, aller trouver un herboriste ici. Je pourrais monter, trouver là. Il y a une pénurie de viande. Ah, il faut trouver 200 bouts de viande. Par le seigneur Divish. Et à court de bière. Ça, c'est quoi, j'ai? Allez, on y va. Donc, on va aller voir s'ils ont de la bière, récupérer mon matos,
Je vais m'armer quand même, parce que... Pendant là où on va gambader... Il dit même pas aussi... Ah bah oui, c'est vrai, le clocher... Le bruit que j'ai fait toute la nuit avec le prêtre... La messe à moitié pourrie... Je me souviens. Ah là 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 là. Donc il faut qu'on trouve de la bière, il faut qu'on trouve un herboriste pour faire une potion contre la fatigue. Tout le coup c'est des potions d'endurance. Hein. Faut qu'on chasse. Bien sûr, je m'en vais vous la chercher. Quoi ? J'ai rien demandé. Un endroit où dormir. J'imagine pour combien de temps ? Pour une seule nuit. Pas de problème. Voilà, tenez. Faites comme chez... Deux pièces. Au revoir. Merci, comme ça j'ai mon coffre de disponible. Alors l'aubergiste, est-ce Bonne journée à vous. Est-ce que vous avez de la bière ? Je dois rapporter quelques fûts de bière à Thalmberg. Désolé, mais il ne reste presque plus rien. Je peux tenir encore un moment avec ce que j'ai, mais si je vous en donne, c'est moi qui serai à sec. Ok, donc lui il a rien. Bien. Par contre... Ça doit être là ma chambre. Allez hop, on va aller s'équiper un peu. Voilà. Alors, il y a des armes. On avait dit ça. Ah oui, mais j'ai plus de bouclier. Merde, faut que je rachète, faut que je retrouve un bouclier. Ça. Hop, je vais me rééquiper vite fait. Tac, tac. Les éperons. Nourriture, j'ai rien de spécial. Peut-être breuvage de l'archer. Si jamais. J'ai plein de trucs à vendre. Allez, on s'équipe. Merde, il manque un truc. La maille. Ah oh, bah il est là. Ok, niveau de l'arme. L'épée d'Hérode pour commencer, tant qu'on n'a pas de... Sabre décoré. On dépose ça. Ok. Donc là, on est mieux déjà. Je me sens déjà un peu plus protégé. Si on essaie de m'agresser. Oulala, oulala. Ouais, non, ok. On va aller à l'ouest, essayer de trouver le point B, là. C'est parti. Le point G, c'était bien à la taverne, hein, je suis pas fou. Ouais, non. C'était bien à la taverne. Là, c'est pour s'entraîner au tir à l'arc. Il est quand même beau comme jeu. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. À chaque épisode, je vais le dire, hein, mais il est beau. Et encore, je fais pas tourner à fond, parce que c'est pas possible. C'est qui ça ? Bon, c'est un voyageur. Ça doit être à droite le point B. Oula, oula, ça sent l'embuscade. Non, c'est bon, c'est juste joli. Je sais plus si on peut pêcher dans le jeu.
J'ai un doute. Puis ça s'avère à quoi? On peut chasser le sanglier. Ah, l'herboriste est là. Bonjour madame. Gertrude? Entraînement. Voudriez-vous? Bien sûr. J'aimerais. D'accord. Maintenant, soyez. Ok, ça c'est bon. Je vais monter mon niveau comme ça. Hein. C'est bien connu que. Voudriez-vous? Bien sûr. Ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui. Je voudrais que. D'accord. Peuvent connaître le plus maintenant, de choses. Voudriez-vous? Bien. J'aimerais. Vous allez de. Merci. Bon. Au revoir. Elle est limite en train de m'engueuler. Il me faut une potion pour garder nos soldats éveillés. Vous avez quelque chose de genre? Je connais une concoction pour lutter contre le sommeil. Je peux vous apprendre à la préparer. Mais il manque pour au moins 100 soldats. Dans ce cas, je ne peux pas vous aider. Vous allez devoir la concocter au fur et à mesure. Alors, vous en voulez ou pas? Non, je cherche quelqu'un pour la faire. Je suis désolé, mais je ne fais pas de miracle. Je ne peux vendre que ce que j'ai. Bonne chance. Alors, c'est quoi? L'absinthe? De vision délirante. Oh, ça a l'air tellement bien. Oh, je vais prendre de l'absinthe. Ambroca. Hein? Celui-là, j'ai toujours des os et des articulations. Oh, ça je sais pas. Potion de taxidermiste. Et vous perdez le contour. Oh là là, votre corps tout entier vous semble plomb. Quoi? Ok. Putain, plein de bouquins. Poil de chien. L'alcool doit prendre. Ok, pâte molle. Et il se peut qu'il avance alors. Ok. Fléau. Qu'est-ce que je peux lui vendre, moi? Des coquelicots et de l'ortie. Bah, super. On va quand même marchander. Eh bien. Bon. Oui. C'est bon. Je peux acheter ce que je voulais. Il me faut une potion. Je connais une. Allez, ça me faciliterait la tâche. Coquelet. Que Dieu vous bénisse. Voilà, voilà. Donc elle, non. L'absinthe, ça a l'air quand même vachement drôle. Hein. Dans le jeu. Faut trouver de la bouffe. Et ensuite, c'est F, c'est quoi? Allez, petit voyage rapide. Oh là là, mais je vois que cet épisode est déjà beaucoup trop long. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus que je vais vous abandonner. On a eu pas mal d'aventures, et là, ça va être beaucoup de chasse, de cueillette, d'herborisme, de recherche de bière. Je pense que je vais faire tout ça en off. Et dans un prochain épisode, mais qu'est-ce qui se passe? Une bataille? Ah, yes! Je vais pouvoir récupérer un bouclier. Voilà, voilà! Ah, mais c'est une vraie bataille, en fait! Et merde, tu vas avoir ce que tu mérites. Qui c'est qui a besoin d'aide? Oula! Ah bah lui, je l'ai bouffé. Est-ce qu'il y a un archer? Eh bien, écoutez, c'est sur cette grosse baston que je vais vous abandonner. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Merde. Pardon. Salut.
Putain, mais c'est qui les méchants là-dedans? Je suis perdu.